Hello everybody, welcome to London. We go to visit the London. Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons visiter Londres. Donc à partir de là, nous allons faire une belle vidéo pour nos amis les Anglais et aussi les Français surtout. Hello, chers Françaises et Français, nous voici à la gare du Nord et je vais bientôt prendre l'Eurostar pour me rendre à Londres. Hello, everybody, it's a train, Eurostar train. I take soon and I go to London with the Eurostar train. Thank you. It's the train station. It's Mavagou. For both of you, sorry, I didn't know which one was which. Okay. Okay. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de cet Eurostar à destination de Londres. Nous sommes à la gare de King's Cross. Je vous filme un peu la gare pour que vous ayez un premier avis sur cet environnement qu'est cette gare. Alors nous voici à la ville de Londres, comme vous pouvez constater, il y a plein de voitures, il y a pas mal des nouveaux bus qui font des visites autour de Londres. Et franchement là, pour parler, c'est pas trop le problème en fin de compte, puisque en fait beaucoup de monde à Londres parle français. Donc c'est pas trop un souci pour ça, pour les visites. Et le souci le plus embêtant, c'est que les prix pour visiter sont beaucoup trop chers. Par exemple, si vous voulez faire une visite avec un bus comme celui-ci qui va passer, voilà, ce bus-là par exemple, vous devez compter entre 35 livres, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 20 euros. Donc ça fait mal quand même. Donc sur ce, on va continuer la visite et bonne journée. Voici l'association britannique médicale. Vous pouvez le constater par ici. L'architecture est assez jolie, mais je ne conseille pas d'aller dans les associations britanniques médicales parce que pour se faire soigner, c'est pas facile. Aussi, sur YouTube, c'est les taxis londoniens. Vous pouvez marquer, celui-ci est bien en noir. Et après, vous avez un bus rouge qui fait partie aussi. Et puis toute cette circulation qui fait que c'est un peu glauque quand même par rapport à avant. Enfin, c'est mon avis, je ne vais pas vous dégoûter de. Bon, merci. Voilà la British Library. Cette librairie britannique est très connue grâce à l'exposition Harry Potter, l'histoire de la magie en février 2018. Ça a continué jusqu'en mars et ça s'est arrêté. Donc c'était pour vous montrer ça, et dédicace à J.K. Rowling. Voilà. Voici l'hôtel Renaissance de Saint Pancras. Comme vous pouvez le constater même sur internet, il est toujours resté authentique. Magnifique. Profitez de la vue.
voilà les policiers londoniens, vous pouvez le constater, c'est comme chez nous, sauf que ils sont en jaune et rouge. Kingdom Palace, il fallait que je vous le montre parce que je pense que je reviendrai pas de sitôt à Londres. Donc je voulais vous montrer quand même que je suis allé au Buckingham Palace. C'est trop la classe, non ?